Jerry James est de retour, pose le micro, t'es fou. Et si tu veux me faire taire, pose de la nitro, c'est tout. Jerry James est de retour, pose le micro, t'es fou. Et si tu veux me faire taire, pose de la nitro, c'est tout. Tu peux assassiner l'homme, mes écrits te survivront. Mais on ne tire pas comme coin sur le dernier MC vivant. Pop, pop, c'est le retour du rap français qui fait bouger les cœurs et les têtes avant les fessiers. Un pour l'éducation, car sans elle, pas de façon, encore moins de révolution. Qui prétend faire du rap sans prendre position. Ça n'a pas de sens, je suis venu en secouriste. Réanimer les consciences, une fois ici, ça broutit. Trop grande est notre influence dans les quartiers à haut risque. Par contre, leur redevance, à quoi leur rime aboutisse. Tu sais ce que je pense de pseudo-gangster. En quête d'une seule réponse qui sera le plus riche du cimetière. Tu retapes pas le temps avec ta Rolex. MC, t'es pas moins mort enfermé dans un cercle Gucci. La rue me soutient. La rue se souvient, depuis la vie est brutale. Elle sait que je suis sur une mission, je n'ai jamais baissé mon futal au détriment de mes ambitions. Et même quand j'étais plongé dans un nuage de fumée, j'avais déjà mal au cœur en chantant le ghetto français. J'ai été bloqué dans la passe, sur une voie à des issues, tant que les miens ne seront pas en place. Pour moi le combat continue, banlieusard est fier de l'être. Tu sais que je représente ma vérité contre un chèque. Quoi, tu que je plaisante? Je suis lié au hardcore et je le serai jusqu'à la mort. Thug life, demande à mon frère des Comores. 20 ans de carrière, 20 ans de classique critiqué. Ils se demandent comment faire taire le plus africain des antillais. Tout le monde ne peut pas le faire et rester tété antillais. Fais un pas en arrière ou tire au canon si c'est signé. Rappelle-toi qu'en 2006, personne ne voulait me signer. Que disait-on dans les maisons de disques? Guerre des jeunes, c'est terminé. Eux se sont fait virer. Quant à moi, j'ai pas fini. Et si le public me suit, 2013, j'serai à Bercy. Pour devenir un MC, suffit pas d'en avoir l'ambition. S'exhiber dans la rue, à moitié nu en faisant des tractions. Le truc tourne vite en rond quand t'as la haine comme inspiration. À quoi bon faire des menaces si tu rapes de tes positions? Franchir, y'aura pas de refrain et y'en aura pour tout le monde. Les prédateurs ont faim, mais j'suis un agneau qui sait se défendre. Brutal peut-être la fin, je sais que je risque de me faire descendre et que ça peut sentir le sapin. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde, sauf en étant hypocrite. Y'en a qui ont toujours pas de gérer ma lettre à la République. C'est la vérité qu'ils refusent, car cette lettre n'est qu'un miroir. Le jour où je présente mes excuses, c'est que je fais de l'humour noir. Tant mieux si ça les gêne, mais les miens s'y sont reconnus. Et pour appuyer le système, t'auras toujours de droits vendus. T'auras toujours des traîtres et des négresses de maison qui pour quelques privilèges t'expliqueront que le maître est bon. T'auras toujours des envieux qui pour se démarquer se positionneront contre en espérant se faire remarquer. Observe leur arrogance et devine leur soif de pouvoir. Moi j'entends leur ignorance même quand ils étalent leur savoir. Les noirs sont affaiblis, oui, parce qu'ils sont désunis. Le premier chi qui nous ronge, c'est le chi de la jalousie. Mais tu manques d'humilité pour remettre en question tes méthodes. Pour toi la révolution ne peut avoir lieu que sous tes ordres. Mais j'ai déjà un prophète, je n'ai pas besoin de gourou. On n'a pas le même combat, on ne frappe pas avec les mêmes coups. Tu es manipulé, tu brises l'unité. C'est par des nègres comme toi que Malcolm X fut assassiné. Y'aura toujours des ignorants, des lâches et des racistes. Des skins aux cheveux longs sous l'étiquette nationaliste. Entre la haine des autres et la fierté de soi, y'a qu'un pas. Entre marche ou gauche et marche ou droite, y'a mon bras. Ils ne peuvent qu'agiter le leurre du racisme anti-blanc. Comme quoi y'a pas de couleur pour brandir de faux arguments. Alors j'rappe un pour mes papetous, car on a besoin d'unité pour faire face au système qui veut diviser pour mieux régner. J'ai brisé mes chaînes et je ne cherche pas à être raciste. Et je ne fais qu'évoquer l'histoire, mais je ne vis pas dans le passé. En parlant de passé, c'est puisque les colonies c'est fini. Expliquez-moi ce que les soldats français faisaient en Libye. Vous apportiez la démocratie, c'est ce que croient les incultes. Que vos médias ont abruti qui? Qui travaille pour qui? Qui domine? Qui est Bernard-Henri Lévy? Qui le nomine? Qui répand toutes ces salades? Qui veut faire de Damas un nouveau Bagdad? Qui détruit les tombes des saints sur le sol libyen? Qui prend en otage le peuple malien? Qui sont ces mercenaires? Qui les finance? Qui profite de ces guerres? Quelles sont leurs conséquences? Qui distribue les rôles? Qui décide? Pourquoi le temps ne se déplace que pour certains génocides? Qui manipule les masses? Qui déstabilise? Qui brandit le voile islamique pour cacher la crise? L'heure est grave, le monde a pris un tournant. Les vrais le savent, pour le reste du troupeau. Brutal, ça le réveille. La France c'est mieux sans Nico, mais au final ce sera pareil. Te fais pas d'illusion, va falloir passer à la caisse. Tu vas t'endormir en France et te réveiller en Grèce. S'il y a eu un printemps arabe, il se peut que demain la prochaine révolution soit un printemps européen. Hein? Je suis un MC, ma tâche est accomplie.
n'est pas M si qui veut. Mon RAP a quelques préceptes. Respecte ces quelques règles si tu veux en être. Elles sont au nombre de 7. 1. Tu ne dois dire que la vérité. 2. Fais primer la qualité sur la quantité. 3. Fais ton choix entre le respect et le succès. 4. Applique la première, t'auras pas besoin d'être vulgaire. 5. Ne suis jamais la mode. 6. Allie le fond et la forme en respectant tes propres codes. 7. Ne baisse jamais ton froc, même si ça les choque et que tu dois être le dernier MC.